Trouve une position confortable. Soit assise, soit couchée. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Les préoccupations. Détends le front. Les sourcils. La peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol. Détends les bras. Les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Hanches. Cuisses derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans vouloir changer quoi que ce soit. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe. Observe la vitesse et la puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a une variation, un changement? Observe, deviens témoin.
Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Encore trois respirations. À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et crée une respiration liée entre inspiration et expiration. À la fin de l'inspiration, force la transition et expire sans attendre. Élimine la pause. À la fin de l'expiration, force la transition et inspire sans attendre. Élimine les pauses. Dès que tu arrives à la fin de l'inspiration, tout de suite après, expire. Dès que tu arrives à la fin de l'expiration, tout de suite après, inspire. Encore trois respirations. À la fin de la troisième, continue la technique, mais avec la bouche. Garde la bouche détendue. Le visage détendu. Si tu as besoin de fermer la bouche pour quelques instants, n'hésite pas. Mais dès que possible, reviens à la technique avec la bouche ouverte. Élimine les pauses. S'il y a des sensations, même physiques, qui remontent en surface, c'est tout à fait normal. Tu peux sentir aussi une certaine légèreté au niveau de la tête ou des fourmis au niveau des mains ou même des crampes dans quelques endroits spécifiques de ton corps. C'est tout à fait normal. Tu es en sécurité. Donc lâche prise et continue la technique. Pas de pause. Pas de pause. Garde le contrôle au niveau des pauses. Élimine les pauses. Lâche prise. Utilise l'expiration pour te vider de toutes les choses que tu n'as pas envie d'amener avec toi dans ta vie. Jette-les loin.
Pas de pause. Les derniers instants. Bravo, continue. Tu es en sécurité. Libère-toi. Loin, les derniers instants. Il libère la technique. Reviens, respiration normale, non contrôlée. Observe ton corps se calmer. Revenir au calme. Prends le temps pour laisser ton corps se détendre de nouveau. Et observe chaque endroit de ton corps. Être plus libre de toutes sortes de tensions, plus légère. Plus calme. Calme et décontracté. La respiration maintenant est longue. Lente. Calme. Permet à ton corps de se détendre de plus en plus. Et plus tu te détends, plus tu te retrouves dans ton endroit de calme, de paix, de tranquillité. Observe autour de toi. Est-ce que ton endroit de paix est un lieu réel ou pas? Est-ce que c'est un endroit que tu as connu, qui t'a visité dans tes rêves? Observe. Observe chaque aspect, chaque élément
de ton endroit de paix. Observe les couleurs. Observe la température. Observe s'il y a des parfums particuliers. Observe. Deviens témoin de ton endroit de paix. Observe aussi si tu es toute seule ou s'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Tu te sens bien, en sécurité. C'est un endroit à toi. C'est toi qui décides, qui peut rentrer dans cet endroit. C'est ton endroit à toi. Commence à te balader dans cet endroit pour le découvrir un peu plus. Observe aussi s'il y a des bruits et si les bruits changent. Dès que tu bouges. Tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Et dans cet endroit de bien-être, tu vois se rapprocher un animal. Cet animal vient vers toi. Et te regarde avec un regard très doux. Il est là pour toi. Tu es tellement content. Tu te sens bien. Tu te sens fort. Tu te sens en sécurité. Cet animal a un message pour toi. Dès que tu as un contact avec lui, commence à te délivrer le message. Je te laisse quelques minutes avec lui. Si toi aussi tu as des questions, tu peux lui poser, il est là pour toi. Et il sera toujours, quand tu veux,
là pour toi. Tu as encore quelques instants avec lui. Donc, si tu as encore des doutes ou des questions, c'est le moment. Doucement. Remercie ton animal guide. Et laisse-le repartir, même si tu sais qu'il sera toujours là pour toi, dès que tu auras besoin. Tu peux simplement rentrer dans ton endroit de paix et l'appeler. Il sera là pour toi, pour toujours. Enregistre, pas seulement le message de ton animal guide, mais aussi tous les éléments de l'animal guide. Tu te sens fort, tu te sens bien, tu te sens soutenu. Profite de ces sensations de bien-être. Et ces sensations, tu peux toujours les amener avec toi. Au-delà de la méditation, au-delà de cet endroit de paix. Très doucement, ramène la conscience dans ton corps. Prends le temps pour amener avec toi toutes les sensations positives qui t'as vécues dans ton endroit de paix.
Quand tu te sens prête, ouvre très, très doucement les yeux. Avant de prévenir dans le ici et maintenant.